Bonjour les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on avait fait tous les sanctuaires de la colline Goron, et du coup, là, notre objectif, ça va faire les sanctuaires oubliés. Alors, celui-ci, je pensais l'avoir fait, mais en fait, rappelez-vous, on était passé devant et on a dit, ouais, on fera plus tard. Sauf que, bah, je l'ai pas fait. Donc, il faut le faire, bien entendu. Alors, c'est parti, on va parler à notre cher ami Azarine. Oh, mes excuses, j'étais absorbée par cet ancien chant. Oh. Je savais que nous nous rencontrions encore, quel que soit le moment, quel que soit le décor. Là où nous sommes en ce moment, on perdu un de ces anciens chants. Il parle d'une des épreuves où les héros ont dû faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Bah vas-y. Oh. Je te remercie. Sur le mont où la vie a fleuri en abondance, une bête bondit fièrement ses deux lances. Sur son échine, héros, si tu vas chevaucher, l'épreuve qui t'attend, tu pourras approcher. La montagne où la vie fleurit en abondance doit être celle-ci. Mais que ce sont des lances. En ces vers, il me semble cacher un secret que mon esprit, hélas, seul ne pourra percer. En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Du coup, on va changer de tenue. Parce que ils sont pas faciles à approcher. On les a vus, je leur ai fait peur. Et ils sont pas faciles à attraper. J'espère que j'y arriverai. Mais... c'était pas toi que je voulais. Et tu as fait peur. Tu m'as fait peur. C'est pas grave. Bon, pour ça, ouais, il faut utiliser des trucs archéoniques, c'est plus simple. Ouais. Par contre... ah, mon but, je sais pas si vous avez compris, mais je vais essayer d'attraper des cerfs. Mais ça va pas être une mince affaire. Parce que si la biche me voit... non, je suis pas là, tu m'as pas vu, tu m'as pas entendu, c'est pas vrai. Est-ce que je peux pas le mettre là? Dommage. Ça aurait été plus simple à attraper. Oh bon, bon, ça va. J'ai pas mal d'endurance, donc c'est facile à choper. Donc c'est bon. Allez mon grand, sois mignon. Voilà, merci. Je voulais quand même qu'il accède à un minimum. Pour qu'on puisse aller voir Azarim. Bon, dites-vous que la première fois, j'avais pas compris. Hein. J'avais un petit peu triché, je dois avouer. J'avais regardé la solution. Là, il n'y a plus besoin. Hein. Ah, et qui coucou. Que tu te mettes dessus. Voilà. Oh, le beau petit sanctuaire que voilà. Je comprends à présent le vrai sens de ces vers. Ces lances mystérieuses sont les deux bois d'un cerf. Je dois dire que juché sur pareille monture, tu devais sûrement avoir bien fière allure. Voilà qui fait monter en moi l'inspiration. Tes prouesses méritent d'être mises en chanson. À une prochaine fois, surtout porte-toi bien, et puisse la lumière éclairer ton chemin. Eh bien, j'espère. Donc, c'est parti. Go pour le sanctuaire. Youhou. Sanctuaire de Mizuyo. Oh.
trois éléments de sagesse. Déjà, je vais mettre la Master Sword. Je préfère que ce soit elle qui se casse. Ensuite. Ok. Alors, je sais plus trop comment ça fonctionne. Déjà, ça je le prends. Ensuite, ok, ouais, ça va pas être comme ça que je vais réussir. Vas-y, voilà. Bah. Gros bug. Tu veux ce qu'il a fait dedans? Pourquoi tu dis ça, tu vois? Franchement, je crois que j'en ai plus besoin. Ah, okay. Si, je vais retourner là-bas. Non, j'en ai plus besoin en fin de compte. D'accord. Donc, du coup. Et là, on va utiliser. Très compliqué normalement. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça c'est fait. C'était pas très compliqué, franchement. Pas de quoi casser trois pattes à un cadavre, comme on dit. Du coup, je vous reprends mes petites bulles une fois qu'on sera auprès d'un autre sanctuaire que j'ai noté et que j'avais oublié. Donc celui-là, il était au niveau du domaine Zora. De toute façon, je vais vous montrer quand même la map à chaque fois. Quand j'arrive aux endroits, ça sera plus simple pour vous. Comme ça, vous voyez à peu près où c'est. Donc là, voilà, on était ici. Donc maintenant, je vais me diriger là, qui est vers le pass du terme. Donc, alors, la tour, je crois que c'est la tour de Chiron ou la tour des limites. C'est un des deux qui prend ça en place. Je sais plus c'est quel des deux et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, au moins, je vous ai montré. Donc, je me dirige là-bas et je vous reprends une fois qu'on est devant le sanctuaire. Alors, nous y sommes pas encore, mais en fait, je vois lequel j'ai oublié. Et franchement, je m'en donnerais presque des gifles, entre guillemets. Parce que c'est d'habitude celui-là, je l'ai jamais oublié. Mais à mon avis, vous savez, je suis passée devant et puis j'ai dit ouais, on va le faire plus tard. Et puis pour le coup, je l'ai pas fait. J'ai dû oublier et je m'en veux un peu. Parce que celui-ci, en fait, il faut vaincre des ennemis et je comprends pas comment j'ai fait pour l'oublier. C'est pas grave, de toute façon, on va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Alors, je vais mettre des bonnes armes. Pas de choix. Entre guillemets, il vaut mieux avoir quand même des bonnes armes contre ces monstres. Et puis en plus, ça ira plus vite avec la tenue que j'ai pour les tuer. Parce que franchement, on va pas se prendre la tête, on va aller assez rapidement à chaque fois. Du coup, hop. Peut-être le but, ça va être de tuer 3
inox. Je suis les béton, hein, c'est très facile. Hop. Donc je dis c'est pas très compliqué. Je vais prendre aussi un bon arc. Lui il va mourir assez rapidement le feu. Il n'aura pas le temps de dire ouf qu'il sera déjà mort. Voilà. Hop, puis il est déjà mort. Au bonhomme. Moi je récupère tout hein, comme d'habitude. On se prend pas la tête. Hop, une petite baie en plus. Je récupère ça, s'il te plaît. On va l'emmener assez rapidement là-haut. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier celui-ci. C'est pas grave. Je dis, la plupart des sanctuaires qu'on va revoir, que j'ai oublié, c'est vraiment des grosses fautes d'inattention. Parce que par exemple, il y en a un, vous allez voir, qui est pas loin des Gerudo. Je savais que je l'avais oublié parce que je crois que je l'ai dit en vidéo. J'ai dit, c'est bizarre. Je suis sûre qu'il y avait. Il y en avait un au niveau de la neige et bizarrement, je ne l'ai pas vu. Et en fait, je ne l'ai pas vu pour la simple et bonne raison que. Pour la simple et bonne raison que je suis passée à côté, mais de manière nulle en plus. J'étais pas censée l'oublier, mais pourtant, je l'ai oublié. Et donc du coup celui-là on va le faire, et le pire c'est que je connaissais hein, parce que je sais que souvent je galère avec celui-ci parce que faut attendre une certaine heure, je sais plus quelle heure, il faut que la boule de neige soit à une bonne hauteur, c'est vraiment chiant mais bon, on va le faire hein. Alors. Du coup hop, ça c'est ici. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un inox rouge, un inox bleu et un inox noir. En fait, c'est de plus en plus dur. Sachant en plus qu'ils ont des amis avec eux. Des mobs. Lui, je crois qu'il a pas de mobs. Tant mieux. Franchement pas mal hein, avec l'armure que j'ai. Et il faut pas long feu les pauvres. Ben, c'est bien en fait de venir un peu plus tard parce que comme ça tu les réussis assez facilement et tu perds pas de vie. C'est bien mieux. Parce que quand tu y vas et que t'as pas beaucoup de vie, c'est un peu compliqué, mais là je suis un petit peu full vie, les pauvres ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de comprendre qu'il arrive, qu'ils sont déjà morts. Je dis ça va être assez rapide je pense si ça continue comme ça. Attends mieux hein, vous me direz. Hop. Donc ça on va l'emmener aussi en mode tranquille. Alors ce que vous voyez là, le point là qui s'est mis sur ma carte. Si je dis pas de bêtises, ça doit être pour les quêtes d'extension. Hein. Ouais c'est ça, ex-lot du prodige. À voir si on va commencer ça aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je parle pour Twitch, hein, parce que sur YouTube, vous savez très bien que vous les avez tous les deux jours, les vidéos, je suis désolée. Vous n'êtes pas vraiment à jour par rapport à Twitch, mais au moins, si vous ne tapez pas au moins 2 heures de live. Là j'ai profité qu'ils sont un peu dans l'eau pour être tranquille. De toute façon si je les tue pas ils vont me balancer des flèches électriques. Alors, on a d'autres choses à faire. On va essayer de tous les tuer avant qu'ils nous embêtent. Hop. On est là-bas.
Il doit y en avoir encore un, j'imagine. Mais bon, c'est pas trop grave. Vous êtes plus, il reste beaucoup de vie à tuer. J'ai envie d'être vie parce que. Tu voyais vraiment pas combien il avait de bip parce que bah déjà c'est bizarre hein. Il s'était pas encore relevé pour m'attaquer le pauvre. Il a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, qu'il était déjà mort. C'est un peu tu sais la phrase tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'était exactement ça pour lui le pauvre. J'ai eu un peu de peine pour lui quand même. Il a pas eu le temps de comprendre qu'il était déjà HS. Qu'il était déjà en l'enfer. Du coup, on va emmener ça là-bas. Et puis, bah, on aura déjà en fait accès au sanctuaire. Franchement, c'est rapide, c'est concis. Pas de prise de tête. C'est vous, je passe. Tout va bien. Et voilà le dernier. Et je vais vous lire la stèle quand même qui était marquée là-bas, parce que j'avoue que je n'ai pas pensé à la lire. Alors je sais plus s'il y avait une quête derrière. Si on a accès directement à... au trésor ou pas. Ça, je ne sais pas et je ne préfère pas vous dire de bêtises. Avant de faire l'ode du prodige, je vais augmenter mes cartes quand même au maximum parce que aïe, ça fait mal là-bas. Les arbres antiques protégés par les géants du monde du terme ouvrent le chemin de l'épreuve du héros. D'accord. Donc c'était le secret des trois géants que on a réussi à faire du coup. Tout simplement. Donc franchement c'est vraiment des fautes d'inattention, je suis vraiment désolée de vous les avoir fait passer un peu à la trappe, c'était vraiment pas mon but. Donc voilà, on a accès directement au trésor. Tant mieux. C'est une bénédiction. Attaque plus 13, ouais. Peut-être à la place de ça. J'aime bien quand même les trucs électriques. C'est pas mal. Donc, je pense que comme d'habitude, je vais vous faire une ellipse. Mes petites bulles, le temps qu'on trouve l'autre sanctuaire, qu'on y arrive au plus proche en tout cas, comme ça vous n'avez pas trop de temps d'attente, c'est peut-être mieux. Hein. De toute façon, je vais vous montrer sur la map vers où il est. Et en plus, si c'est celui-là que j'ai passé des heures à chercher et sans le trouver, il vaut mieux que je vous fasse une ellipse jusqu'à ce que je le trouve. Parce que je sais qu'il y en a un vers. Voilà, celui-là qui est là. Rappelez-vous, je l'avais cherché, je l'avais pas trouvé et je l'ai toujours pas trouvé. Hein. Donc, je vois pas du tout c'est lequel. Pour le coup, on va se diriger sur celui-ci, celui que je vous ai dit avec la boule de neige. Et celui-là, bah, je vous reprendrai une fois que je l'aurai trouvé. Donc, à tout de suite. On remet mes petites bulles. Alors, me voilà. Au niveau de notre prochain endroit. Je me suis trompée, je voulais mettre pour courir plus vite dans la neige. Les bottes de neige. Je m'en doutais que j'allais avoir froid. On va faire un truc. On va mettre une épée de feu pour tuer ce monstre. Hop. Et après je remets celle-ci. Voilà, ça fait bonne raison que sinon je vais faire fondre mon truc de glace. Alors,
Première page. Ici sont consignés les rapports de recherche de l'épreuve du héros qui repose dans les montagnes Gerudo. Premier jour de recherche. Je suis venu dans ces montagnes pour enquêter sur l'épreuve du héros, dont il est question dans ces écrans anciens. Voici ce qui y est écrit. L'épreuve du héros repose dans le piédestal des montagnes enneigées Gerudo. Je suis enfin arrivé au piédestal que mentionne ce texte. Septième jour de recherche. Voilà 7 jours que j'ai découvert le piédestal des montagnes enneigées. Mes vivres sont presque épuisés. Venir enquêter sur place m'a permis de remarquer que les écrits contenaient une clé pour résoudre le mystère. Quand brille le piédestal des montagnes enneigées, allume un amas de ténèbres en son centre. Au cours de ces 7 jours, j'ai pu me rendre compte que le piédestal émet une faible lueur à une certaine heure précise. En revanche, j'ignore quelle peut être la signification d'un allume de amas de ténèbres. Je ne sais plus depuis combien de jours je poursuis ces recherches. Je sens que je suis tout proche de percer le secret que renferme le piédestal, mais mes vies sont épuisées et je ne peux plus poursuivre mes recherches. Les ténèbres, c'est long. Oui, ça j'avais compris, mais tu m'as pas dit l'heure et ça me saoule. Je ne sais plus à quelle heure ça s'ouvre le piédestal. Alors déjà, on va faire une plus grande. Alors, je sais plus l'heure. Franchement, je me rappelle plus. Et ça va être compliqué. J'espère que je n'ai pas loupé. Je crois que c'est vers 16h de mémoire. Faut pas qu'elle soit trop grosse, sinon je pourrais pas la porter. Ah bah elle est déjà allumée, punaise. Allez, s'il te plaît. Oui. Alors, vous me portez chance. J'arrête pas de le dire, mais vous me portez chance. Parce que à chaque fois, je me faisais avoir. J'avais dû recommencer au moins 6-7 fois la dernière, une fois. Et j'avais peur de vous faire une petite ellipse. Mais je suis contente, franchement. Le jeu est avec moi. Non, franchement, je suis sûre que c'est vous qui me portez chance. C'est pas possible. Alors, je pense que c'est une bénédiction, du coup. Vu que c'était genre une épreuve comme ça. Du coup, il est apparu derrière moi. Non, je vois, oui, que là, vous m'avez porté chance, mes petites bulles. Hop. Donc celui-là, c'est celui que je disais, ouais, c'est bizarre, je connais ce sanctuaire, mais pourquoi je l'ai pas vu? Et je pensais qu'en fait, il était à Ebra, mais pas du tout, en fait, il est dans les hauteurs Gerudo. Mais je l'avais oublié. Donc oui, c'était bien une bénédiction. Bon, la plupart des sanctuaires, c'est des bénédictions. Ça, on l'a bien vu. Ouais, je n'en veux pas, merci, c'est gentil, mais non, merci. Donc le prochain sanctuaire, je sais plus trop où il est. La dernière fois, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps sans le trouver. Donc à ce moment-là, je vais vous reprendre une fois que je l'aurai trouvé pour pas vous embêter avec ça, parce que je sais que la dernière fois, j'en ai chié pour le trouver. Donc, je vous reprends une fois que ça sera fait. A tout de suite, mes petites bulles. Alors ça sera une vidéo plus courte que d'habitude je pense, mais c'est pas grave, ça me fera pardonner des grosses vidéos que j'arrête pas de vous lancer depuis quelques temps. Désolée encore pour ça. Ah oui d'accord, c'était ça, mais je m'en rappelais plus moi. Est-ce qu'il faut que je me mette en tenue New Foose, c'est possible, on va tenter. Franchement je m'en rappelais plus du tout, hein. Mais à mon avis ça va se faire. Non, c'est pas ça. Faut peut-être parler au bourron, mais en tout cas, c'est ça. Hein. On fallait se mettre dessus. Mais là, je m'en rappelais plus de ça. Un, et un, et deux. Attendez. Gloire aux muscles. Bienvenue dans notre centre d'entraînement ancestral. Nous, les trois frères de fer, nous vivons ici pour une épreuve d'endurance. C'est chaud! Tu m'étonnes. Nous suivons un entraînement pour devenir plus forts. Nous affrontons pour savoir qui supporte le plus longtemps la chaleur. Je suis de partout. On a beau être des gonds, on a du mal à supporter la chaleur. Il fait beaucoup trop chaud pour nous au village gonds. Alors on est venu s'entraîner ici. Des gonds qui supportent pas la chaleur. C'est un comble. Bah ça te dit toi aussi. Viens avec nous. Tu peux participer à la brève d'endurance? Bah pourquoi pas. C'est ce que je voulais entendre.
Voilà comment nous allons t'appeler. L'enflammé. Monte dans l'arène quand tu seras prêt. Nous commençons alors l'épreuve d'endurance. Si tu tombes de cette arène, que tu t'envoles ou que tu t'évanouis, c'est fini. Bon, on va pouvoir y aller. Que l'épreuve d'endurance commence. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors là, j'ai trop chaud. Du coup, on va mettre... Ils sont déjà trop chauds. Il y en a un qui est déjà HS. Deux. Bah dis donc, si vous supportez pas déjà ça, alors que là-bas c'est autre chose, c'est de la lave, c'est compliqué. Hein. Tu en perds tes poils, le bonhomme. C'était vraiment impressionnant. J'ai du mal à croire que tu aies battu les frères de fer. Nous te donnons le droit de participer au niveau le plus élevé de l'épreuve d'endurance. C'est dans les terres où s'entraînaient nos aïeux qu'il est impossible de mettre le plus à l'épreuve son endurance. Qui est plus précisément. Tu vois la reine entourée de femmes derrière? Ça ne te file pas des frissons? Il y a de quoi. Le centre de traitement très spécial se trouve dans cette arène. Alors cette épreuve, tu devras non pas supporter la chaleur, mais c'est une véritable fournaise. Reste concentré ou ton corps pourrait bien prendre feu. Prépare-toi bien avant de t'y respirer. Il paraît que si on arrive à tenir jusqu'au bout de cette arène, l'épreuve du héros apparaîtra. Dès que tu te sentiras prêt à affronter l'épreuve d'endurance spéciale, saute sur l'arène. Alors, mais qu'est-ce que je vois? C'est de l'équipement anti-feu. Voilà. Si tu n'as pas l'équipement anti-feu, tu peux pas, en fait, à mon avis. Et à mon avis, il va dire non, tu ne mets pas. Donc il faudra remédier une fosse. Les plus durs, les durs n'ont pas besoin de ce genre d'artifice. Je ne veux pas te voir avec ça sur le dos. Donc faut quand même. Heureusement qu'il me reste la romaine. Donc du coup, on va mettre le romaine. Tu es monté sur arène, ça signifie que tu es prêt. Bien, les règles sont les mêmes que pour l'épreuve d'endurance standard. Si tu tombes de cette arène, que tu t'envoles, que tu t'évanouis, c'est fini. Que l'épreuve d'endurance spéciale commence. Mais je vous mange, moi! Ils sont même pas dessus, eux. Si je me dis mon courage. Heureusement que j'avais encore des remèdes. Hein. J'ai bien fait d'en acheter plein en vrai. Wow, c'est incroyable, incroyable. Quel homme, quel homme, et quel spectacle pour les yeux. Et voilà. Franchement, c'était pas compliqué. Oh, ça passe pas bien, lui. Oh, un sanctuaire est apparu, c'est l'épreuve du héros. Alors là, les gens disaient vrai. Tu as remporté l'épreuve. Tu es le meilleur. Je sais. Allez, poussez-vous les gars, moi je passe. Voilà mon Bjarni. C'est vrai que t'es Calvino avec maman. Bon, une... Ah non, j'allais dire, oh, encore une bénédiction, mais pas du tout. Ah ouais, j'aime pas trop ce genre de sanctuaire. Pas grave, on va essayer de faire avec, mais je sais plus comment on fait.
C'est tout. Juste un mixeur, ça va. Je réfléchis. Je crois qu'elle est dure cette épreuve. Je me rappelle plus comment elle fonctionne, c'était pas bien, mais ça va être un peu long. D'accord. Et la dernière. Ah, mais alors, est-ce que ça va pas fermer la porte, ça? Attendez, j'ai une idée. Je pense que c'était ça le but. J'espère que j'ai pas fait ça. J'ai dit que ça allait pas être long, mais c'est parce que j'ai dit une grosse bêtise, les amis. Ouais, j'en ai pas besoin de ça. Mais non! Ok, je suis plus en baisser, hein. J'aime rien. Est-ce qu'on peut baisser l'autre? Je suis pas sûre. Ah mais. D'accord, c'est bon. Je crois avoir le truc. Ah, pourquoi ça c'est... On va passer là, c'est vrai. Ouais, pourquoi celui-là c'est ça? Je sais pas. Et du coup, le dernier... Alors par contre, merci mes flèches de feu, faudra vraiment que j'en rajoute. Ouais, je vais pas utiliser ce que... le truc pour tomber, je vois pas l'intérêt. Comme si c'était un moyen de pas utiliser ces flèches de feu. Ah, je vais te niquer. Non, c'est bon. J'ai peur. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais me faire avoir parce que c'est le truc qui va s'éteindre. Mais non, c'est bon, j'ai eu de la chance. Du coup, je vous ai promis un souvenir. Donc, je vais aller en chercher un. Désolé, j'ai plein de poils de chat dans le nez là. Merci bien. Il est en train de muer, mon petit bonhomme. Alors.
Du coup, chose première, chose due. Je crois qu'il est par là, mais je suis pas sûre. Pierre, je vais faire comme d'habitude, je vais venir ici plus loin. On va utiliser les esprits, ça ira plus. Bravo! T'es con? Mais t'es con! Mais arrête, Spirit! Mais voilà, je m'en doutais! Putain! Tu les casse-pieds ce cheval! Je me suis ramassé plein de lune de ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on commence? Où c'est déjà? Par là. Voilà, c'est là que je cherchais. Donc c'est pas bon. Bah, mais non. Du tout par là. Je cherche le lac. Oh là là, mais tu en as, t'en as perdu des points du même. On gratte le visage. Attendez, je suis bête à ce point-là. Attendez. Alors, d'habitude, c'est le premier souvenir que je trouve facilement, et là, je sais pas pourquoi, je le trouve pas, tout va bien. Ça va pas du caresser mon chat. Franchement, j'ai plein de poils, ça me semble. J'ai l'impression de les manger. Normalement j'ai mis une étoile pour me souvenir. En fait c'est là où il y a plein de jumeaux, tout simplement. Ah, ils sont là-bas. C'est ça que je cherchais, je sais pas pourquoi. J'ai pas suivi l'emplacement, sachant qu'en plus j'avais mis une étoile pour dire que voilà c'est là. Ah là là, je vous jure. Ah, vous inquiétez pas, si vous entendez plus ma voix, c'est que je vais augmenter exprès le son du jeu. Pour que voilà, le son de la cinématique soit assez joli et assez fort. Et voilà, je vous laisse avec la cinématique. これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。
何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし使いようもわかります。だから私は必ずあれを厄災ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。Alors cette référence à cette voix, elle est très intéressante. Je vais vous dire pourquoi, c'est que franchement, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Skyward Sword. En tout cas, dans Skyward Sword, en fait, votre épée vous parle. Et cette épée, en fait, elle prend la forme, une forme humanoïde, on va dire. Et c'est la forme de Faye, tout simplement. Alors beaucoup n'aiment pas ce personnage. Moi, je ne comprends pas pourquoi, mais je m'en mêle pas, hein. Et moi personnellement je l'aime bien cette petite fille. J'ai même été triste hein, au moment où bah, voilà, il a fallu lui dire au revoir malheureusement hein. C'est souvent le cas de toute façon dans Zelda, on a une amie et en fait en fin de compte au bout d'un moment il faut lui dire au revoir. C'est comme ça. Et du coup et ben, ça fait vraiment référence à ça. Normalement notre épée est censée nous parler. Et ce petit clin d'œil, franchement, j'ai beaucoup apprécié la première fois que je l'ai entendu. Je fais, oh punaise, on va peut-être voir Faye. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Mais je trouve ça super qu'il y ait eu des références comme ça. Car ils n'étaient pas obligés. Du coup, mes petites bulles, la prochaine fois, nous commencerons l'extension L'Ode du Prodige. En tout cas, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à partager la vidéo et de mettre la petite cloche de notification pour avoir des nouvelles vidéos. De toute façon, hein, comme d'habitude, j'en fais tous les jours pour l'instant. Rien ne m'en empêche. Donc, essayons de continuer sur cette lancée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé hein, de la vidéo. Moi, tous vos conseils sont bons à prendre, vous le savez, et ça change pas. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous, les petites bulles, et à bientôt. À bientôt.